De retour. Avez-vous vu vos profs ce matin? Non. On attend les professeurs depuis 27 minutes. Les autres, ils sont partis. On voudrait des explications. Bon, c'est quoi le problème? T'es pas en cours, toi? Bah, c'est parce que y a pas nos profs. Ah, y a pas besoin de vigilant non plus. Mince. Le lycée se vide. Plus personne. Tous disparus. Cette fois, vous êtes mon assistante? Non, mais allô.
Lila. Oh, Pirate. Il n'aura jamais. Il y a encore un mec qui m'a demandé si j'étais son assistante. Pourquoi même voir, j'en ai trop marre. Mais ressemblait à quoi, son assistante? Bah, un type louche, quoi. Il avait des lunettes noires, un costume noir, des cheveux noirs, il était dégueulasse. Bien. Mais essaye d'en savoir un peu plus. Ouais, t'inquiète, je vois pas. Le koala a pris un gant de pan. Le kangourou sauteur nomade. La courgette se jette, l'astéroïde ruine. Mais que deviennent les internes? Dans ce monde qui n'a pas de place pour les hommes différents, tout cela m'embête quelque peu. Une enquête sur Monsieur Vigilant nécessite une enquête approfondie sur les lieux communs à Monsieur Vigilant. Et un lieu commun à Monsieur Vigilant. Cher monde, si vous trouvez ce message, c'est que je ne l'ai pas bien caché. Maintenant, regardez autour de vous. Si vous ne me voyez pas, c'est que je ne suis probablement pas dans cette pièce. Bien, j'espère que ces informations vous ont été utiles. PS, désolé pour le bazar, je n'ai pas pu ranger après mon enlèvement. Un enlèvement? Oui, un enlèvement. C'était terrible d'ailleurs. Faites un bisou à ma femme et mes enfants. Ils me manquent terriblement. D'ailleurs, la plante verte, faut l'arroser un petit peu, parce que là, elle commence à faner, je le sens. Je le sens. C'est perdu de temps ici. Rien. Thank you.
Quoi? Encore un incompétent, je suppose. C'est un scandale! Quel genre d'affaire a-t-il été? Histoire de disparition, mais j'en sais pas plus. Mais ça devient hyper compliqué. Je t'avoue que je sais pas quoi faire. Ah, vraiment? Plutôt tombé. Bon. De toute façon, sans la clé. Absolument. Ça va? Fais-moi la maline, hein! Ah, ah. De toute façon, il ne peut rien faire s'il n'a pas le code. Comme Apollémus, crâne de Bombus, colle à 3000. Ouais, t'as raison, ma tête, c'est ça. Un intrus tente d'infiltrer la base de données. Apportez la base de données!
fais-moi la baline, hein. Oui, Enfoiré. Hein? Coquine, va. Merci. Tu pensais m'avoir, moi? Je suis une pirate 4, mon petit. Tu m'arrives pas à la cheville. Néanmoins, tu vas être très fort. Et tant que je serai là, tu ne resteras que dessous. Pourquoi avoir kidnappé monsieur vigilant? Et les voir, hein? Bien, je crois que je te le dis, puisque tu vas sûrement pas vivre très longtemps. Ah! Ah, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça? Eh bien, c'est très simple. Les profs sont méchants. En effet, ils veulent qu'on passe le bac. Qu'est-ce que c'est que ça, le bac? Le bac n'est qu'un moyen de formaliser tous les élèves. Les petits ticheurs, les petits génies, de tout ce qui devient que de la merde, ça ne me va pas du tout. Ainsi. Vous voulez supprimer les profs, donc les examinateurs et monsieur vigilant? Tout ça pour annuler le bac? Hein? Et tout ça pour pouvoir faire quoi, hein? Pouvoir quoi? Pouvoir chanter, danser? C'est juste pouvoir l'Irak. Et oui! Oui, car l'Irak, cette petite organisation collective. De toute façon, vous les internes, toujours à bon, arrête de râler là, je pars, ok? On parle. Voilà. Donc, mais c'est pas mon cher. Puisque mes chers, je vais tout faire à son honneur. Ainsi, mes petits Irakiens vont bien aider. Et en échange, bah, je vais leur donner la gloire. Tu peux l'idée, moi. Vous ne gagnerez jamais face à l'éducation nationale. Tu te fous de moi dans le nez. Tu t'es le chouchou. Et tu sais, la gloire de l'Irak est déjà présente. Nous avons entendu l'Irak en gras. L'Irak. Pardon, but d'un est foutu. Ici, c'est pas toi qui fera la loi. Pardon, but d'un est foutu. Ici, c'est pas toi qui fera la loi. Les dés sont jetés.
avez fait un excellent travail. Bravo. Mais de rien, ça me fait plaisir. Finalement, vous êtes prêt pour une nouvelle mission? Après tout, pourquoi pas? Mais j'aurais tout de même une petite question. Qu'est-il advenu de ce Athanas Vinon? Disons, il n'a que la monnaie de sa pièce. Mais il ne l'a pas volée.